J'arrive, Bijou. Excusez-nous, monsieur Poisson. Hein, oui, je vous en prie. Elle est rentrée pour la meilleure chez Café. Je suis confus de tout le mal que je vous donne. Vous êtes vraiment trop bon, j'ai pas l'habitude. Laissez ces petits jeunes en place. Un peu d'attente de nous, vous tracez. Donnez-moi ça. J'arrive, Bijou, ça fait un peu trop pareil. Ne bougez pas, mon chat. Vous êtes déjà à la fin. Oh merde, bon. Merci, monsieur Poisson. Je m'avançais dans la pénombre, là, cette espèce de con de sentinelle m'a tiré dessus. Il a cru que j'étais un voleur. Heureusement, la balle a traversé un gros quartier de bœuf avant de venir me mourir dans le gras de la main. Là. Vous voyez, ça m'a quand même sanctionné les tendons. Ça doit faire mal, hein. Et c'est rien de dire. De dire en plus, ils m'ont saoulé comme un manche. Comme je le disais à l'expert, j'ai perdu toute la motricité de mes doigts. Et ça m'a permis de sanctionner la vie. Et depuis, je cours de procès en procès avec l'armée pour essayer d'obtenir une pension de misère. Pour les emmerder, je me suis tailladé les veines avec une grosse seringue. J'ai pris 15 jours de cachot au motif salit les draps. Vous voyez que c'est une tuque qui tombe, elle pour moi. Et maintenant, si on me sépare de chouchou, c'est la fin des haricots. Bon. Félix, tout ceci est navrant, mais M. Poinceau est pressé puisque Bijou l'attend. Alors, vous allez rentrer chez vous et laisser Josette tranquille. Hein ? Surtout. Vous n'auriez pas 5 coups d'image ? Allez, dehors. Je ne vais pas vous mentir, c'est pour m'acheter une shopping. Non, pas le temps, allez. Oh. Mais j'ai soif. Bon, allez, dehors. Oh. Vous lui dites que je l'attends à la maison. Bon, viens. Et si elle n'est pas rentrée avant 8 heures, j'irai me foutre dans la Seine. Combien vous va, M. Poisson ? Oh, rien du tout, je vous en prie, j'ai fait ça pour vous. Ah, ben merci beaucoup, on va se sauver, hein. Parce que je vais me tuer, là. Mais qu'est-ce qu'il se passe, ta veste est pleine de cambouis ? Oh, M. Poisson, qu'est-ce que vous êtes taché comme ça ? Je vous présente toutes mes confus. Mais quoi, confus ? Vous n'imaginez pas que je vais aller chez Castel avec ça ? Félix, ce n'est pas vous, non ? Qu'est-ce que c'est que cette matière ? Mais c'est de la merde ! N'approchez pas ! N'approchez pas, sinon je râle toute la voix.